Les super-pouvoirs des abeilles sur notre planète et sur nos petits-enfants en 10 leçons. Les abeilles, les reines de la biodiversité. Les abeilles jouent un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité. Nous remercions les abeilles pour leur miel et pour leur mission principale, la pollinisation. La pollinisation, qu'est-ce que c'est ? La pollinisation est la reproduction des plantes par l'intermédiaire du pollen de leurs fleurs. Une abeille peut visiter 700 fleurs en moyenne par jour. L'abeille contribue à la reproduction de 80% des espèces de plantes à fleurs. Sans insectes pollinisateurs, nous verrions disparaître bon nombre de plantes. Adieu les pommes, les fraises, les cerises ou les tomates. Les abeilles ont elles aussi 5 sens. L'odorat, grâce à ses antennes. La vue, grâce à ses yeux. Le toucher, grâce à des capteurs situés sur tout son corps. Le goût, grâce à ses pattes avant, ses antennes et sa bouche. L'ouïe, grâce à ses antennes et aux vibrations ressenties par ses pattes arrière. Des abeilles en bonne santé, c'est la garantie d'un bon miel. Lorsqu'elles fabriquent du miel, elles doivent être dans des lieux préservés de toute pollution, sans bruit et à proximité de zones qui fournissent fleurs et eaux en abondance. Le miel, un produit 100% naturel. Le miel ne peut pas être fabriqué par l'homme. Seules les abeilles détiennent le secret de sa fabrication. Le miel, un produit magique. Le miel est un puissant antiseptique qui va ralentir la prolifération des bactéries. Une cuillère de miel quotidienne en période de maladie peut aider à se débarrasser d'un vilain rhume. Le miel nous refait une beauté. Le miel est également un super produit de beauté. Il est apaisant, nutritif et hydratant. Pour l'anecdote, la reine Cléopâtre prenait des bains au lait d'ânesse et au miel pour avoir la peau douce. Le miel préserve la santé. Le miel est aussi connu pour sa teneur en antioxydants, des molécules qui aident à prévenir le cancer et les maladies dégénératives. Plus le miel est foncé, comme le miel de forêt et sapin ou le miel de châtaignier, plus il est riche en antioxydants. Et pour tout cela, les abeilles travaillent dur. Pour fabriquer 1 kg de miel, une abeille butineuse doit travailler 200 jours, parcourir 40 000 km, soit le tour de la Terre, et butiner environ 800 000 fleurs. Le saviez-vous ? Il existe plus d'une centaine de sortes de miel. Et oui, chaque pays, chaque région du monde a sa flore spécifique. Et comme Aristote disait, tous les médicaments sont dans les fleurs et toutes les fleurs sont dans le miel.